Ok. Bonjour, je suis le fédéral secrétaire fédéral de la jeunesse du Front populaire ivoirien de Gagnoa. Nous sommes ici ce matin pour informer l'opinion nationale et internationale parce que nous avons appris que le sieur Afid Diessa serait à Gagnoa, dans un village, précisément à Saïkoyo, qui est le village natal de M. Alcide Tchétché, pour rencontrer des gens. Étant donné que nous, à Gagnoa, nous ne reconnaissons pas Afid Diessa comme président du Front populaire ivoirien, nous n'avons pas été informés de ce que cette activité-là se tient. Nous sommes ici présentement, comme vous le constatez, pendant que la réunion se tient, nous, en tant que responsables, premier responsable du parti, nous sommes encore à Gagnoa. Nos grands responsables sont déjà à Niadiéba. Nous, au niveau de la jeunesse et de l'OFPI que voici, nous sommes en train de nous préparer pour aller encadrer les obsèques de notre maman Gado Marguerite qui aura lieu à Niadiéba. Et donc, pour donner la véracité de l'information, pour donner et pour informer tout le monde de ce que si Afid Diessa se résigne dans un village, ça fait preuve de lâcheté. Parce que quand on vient dans un département, il faut rentrer en contact. Quand on se dit président d'un parti, il faut rentrer en contact avec les responsables. S'il va, qu'il ne rencontre pas les responsables locaux, nous considérons ça comme une visite simple qu'il rend au village de son ami Alcide Djedi. Et donc, il aurait même pris des véhicules pour transporter des gens, nous ne savons pas. Mais nous annonçons aux gens que présentement, nous, à Gagnoa, nous avons dit qu'Afid est le président du FPI. Nous nous apprêtons à aller aux obsèques de notre maman Gado Marguerite. Parce qu'à Gagnoa, cher ami, nous avons dit que ici à Gagnoa, c'est Afid dehors.